Wesh mes BG, c'est Tonton Démonixion, j'espère que vous allez bien mes frérots. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dès que vous voyez cette vidéo les frérots, on se retrouve pour les vlogs ramadan, c'est-à-dire un jour sur deux. Déjà pour commencer du coup dans cette vidéo les frérots, on va aller voir Rémi. Parce que les gars, il était chez le médecin je crois à 6h, 7h du mat. Donc je crois qu'aujourd'hui il jeûne pas. Je vais déjà lui demander comment ça s'est passé son rendez-vous chez le médecin, ça sera pas mal. Et ensuite on avisera, ce sera que des vlogs freestyle ramadan les gars, ok. Le titre je le mettrai quand je serai en train de faire le montage. Mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les vidéos clairement. C'est parti pour la petite série vlog ramadan. J'espère que vous allez apprécier les frérots. N'hésitez pas les frérots, le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. De vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on vise les 300k, on y est bientôt. Les grandes vacances arrivent, bref, ça va être une dinguerie les frérots, c'est parti. Gros, t'es tous les jours devant le PC frère. Rémi est malade, il est à la maison. Comment ça s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Ce matin je devais faire caca. Bah déjà pour commencer, bonjour, formule de politesse. Fais vraiment... J'arrivais pas. J'étais mort, j'avais mal au ventre, je me forçais. J'étais pas bien. Il est où le bocal? Je l'ai donné, ça il est. Je vais examiner, microscope, ma crotte. Enfin, je vous explique parce que là, les frères, on est en train de commencer la vidéo, on leur parle de caca dans un bocal. Écoute, il fait que de vomir depuis une semaine et demie. Il a été une fois chez le médecin. Le médecin l'a renvoyé avec des médicaments, ça y est toujours pas. Ils sont passés à l'étape suivante, c'est-à-dire caca dans un bocal pour l'examiner. Non, pour voir si j'ai un virus en fait, pendant une heure. Une heure aux toilettes comme ça. T'étais concentré. C'est pas bien. Écoute, ça y est, c'est bon, arrête. Non. Bref, du coup, tu fais pas l'armadan là. Non. T'as des médicaments à prendre, tout le bordel. Ouais. Mais frère, Nadim, viens voir. En vrai de vrai, ils passent pas trop de temps sur l'ordinateur? Ouais, trop. C'est une dinguerie. Mais pourquoi t'étais pas à l'école? Hein? Mon frère, ça le fait grève. En vrai? Ouais. Lui aussi il a pas école. Mais décroche un peu frère. En fait j'ai joueur pro. Joueur gros. Une journée sans toucher de PC. Je te le fais maintenant si je veux. M'en fous. Une journée sans le PC plus les yeux bandés. Tranquille. À partir de maintenant? 24 heures? Je te le fais pendant 2 semaines si tu veux, m'en fous. Vas-y, éteins ça. Je te trouve un bandeau. Toute la journée tu passes les yeux bandés, c'est bon? Vas-y bah éteins. Ouais tout de suite. Vas-y, bah parfait, c'est bon. Vas-y bah prépare-toi. Nadim! Il va passer 24 heures les yeux bandés. Ce qu'on va faire, Nadim. Oh, tu pues de la bouche, frérot. Tu sens le salami. Vas-y, va te laver les dents, va te laver les fesses. Et, écoute, pendant 24 heures, faut qu'on lui trouve des défis à faire. Okay. C'est bon? Mais tu pues! Mais il pue, lui! Il dit ok, frère, il y a un courant d'air, ça sent le parasol. Let's go, Nadim qui se brosse les dents, ça faisait. Ça faisait 3 mois qu'il s'était pas brossé les dents. J'ai posté sur Instagram. Imaginez à 24 heures yeux bandés avec cet homme. Les abonnés ont bien sûr donné plein d'idées. Donc ça c'est incroyable. Et nous ce qu'on va faire c'est toute la journée on va en sélectionner mec. Si toi en plus t'as des idées, on peut, ok. Déjà ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui Rémi il peut manger des choses. Tu le rattraperas ton jour. On vient de voir une bonne idée. Dans... Il a mis tu l'habilles. On va commencer comme ça. On va choisir sa tenue du jour. Okay. Il aura les yeux bandés, il saura pas comment l'habiller. Parfait, on va commencer comme ça. Bon Rémi, pourquoi t'as peur? Ah, monte ton bandeau aux abonnés. Ça y est, c'est bon, il a le bandeau, il est équipé, il est prêt. On lui a mis le bandeau de la grand-mère, il est impec. Rémi, on va t'habiller. Tu ne sais pas, comment tu vas être habillé pour la journée, c'est bon? On va lui chercher une tenue, ok? Donne mon téléphone, vas-y, parti. Donne mon téléphone. T'as pas besoin du téléphone, t'as pas besoin d'écran, t'as pas besoin d'écran. Non mais je peux jouer sans... Bah non. C'est parti, on va choisir, mec. Quel truc de fille, mais on a pas de fille dans la famille, ça le débile. C'est bon les mecs, on a trouvé la tenue pour Rémi. Rémi t'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de lunettes. Ok, hop la deuxième, voilà. Ça sera tes chaussures pour la journée. Maintenant mets ton slip. Donc les mecs pour le deuxième truc, vous allez voir, vous allez découvrir directement sur place. En vrai ça va, on aurait pu faire pire. C'est le jogging de papa. Ça va, en vrai ça va, on aurait pu faire pire. J'ai mis une tenue parce que frère, si on sort, il faut que ça soit potable. Tu vois ce que je veux dire? Donc là je t'ai mis en prof de sport. C'est le dessus de Black Panther. C'est truc de muscu genre? Ouais. Faire sortir les pecs? Voilà, y'a rien qui ressort mais... T'as capté ce que c'est bon. Voilà, ok, donc la tenue de Rémi pour la journée les mecs. Arrête. Ton corps bizarre là. Petit haut, Black Panther. Là, le jogging à papa en mode pas chute. Et les chaussons carrés. Donc Rémi, c'est bon. T'es équipé pour la journée, tu passes à la journée comme ça, c'est bon? Rémi, si tu veux, tu peux... Je peux voir ma tenue. Non, tu peux marcher dans la maison. Allez, à tout à l'heure. On trouve un truc et on se retrouve dans quelques minutes. On vient de trouver le prochain défi, ok. C'est le frérot Elliot ABT qui l'a envoyé. Vous le mets là, Rémi juste derrière comme ça il n'entendra pas. Et puis c'est parti. J'ai organisé un truc, je te l'ai pas dit. Comment c'est possible qu'un homme qui se brosse les dents pue encore de la bouche? Je sais pas. Tu vas te brosser les dents, ça c'est encore pire, c'est un problème. On va prendre la voiture, on a pas mal de route. On a 1h30 de voiture parce que... Oh frère. J'ai pris un rendez-vous, on a pris un truc. Faut qu'on y soit avant midi. Mais arrête. Si Rémi, vraiment. Non, c'est vrai, on a 1h30 de route. Ah, mais Nadim. Mais je t'entends en fait. Non, mais lui, il a pas compris. Lui. Donc là, Nadim, ça sert à rien de chuchoter, il a entendu la première fois. On va se rendre à cet endroit. J'ai envie de te dire bonne chance, mais vu que t'es un voyant, tu vas le faire. Tu tiens comme ça, tu tiens en mode. De... T'es penché là. Viens, mets ta main. Vas-y, mets ta. Non, viens. Allez, mets ta main. Gros, tu sais très bien que j'aime pas les trucs qui me dégoûtent. Ouais, vas-y. Avance. C'est quoi, frère? Avance.
Vas-y, mets juste ta main. Ok, touché. Wesh, wesh, wesh. Tiens. C'est quoi? Un cactus? Ah, c'est un cactus. Allez, vas-y, avance Rémi. Y'a pas d'escalier ici. Allez, à deux, frère. Allez, gros, par contre, faut avancer, frère. Je sais que là, y'a quatre escaliers. Maintenant. Bon, Rémi, on se retrouve dans la voiture, c'est bon? Nadim, va mettre tes chaussures, toi. Ah non, c'était pas là, Rémi. Allez, ref, imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous tournez la tête et vous voyez un gars qui fait ça dans sa cour. C'est une dinguerie, non? Bon, les gars, moi, je suis dans la voiture. On attend que Rémi arrive. Il est derrière, ok? Let's go! Ok. Aïe, aïe. Non, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Rémi. Nice, ok Rémi. Attends, comment je peux mettre ta Comment se passe le début de ta journée? Très bien. Ça va? Ça fait plaisir? Bah oui, je te jure. Ça fait plaisir, ok. 9, 3, 9, 4, 9, 5, 6. Porté par ma type sirotin, sirogrenadine, de 2013, on n'a rien lâché. Inox tag, il va s'en rappeler. Nerceneur, on n'a rien lâché. C'est parti, on prend la voiture. C'est pour compléter l'outfit. C'est le chapeau de crocodile dandy. C'est le chapeau de crocodile dandy, je t'ai dit. Il y a des autres crocos dessus. Là, on va aller au McDo en plus, ça va être incroyable. Tu vois, il est solo dedans. Ça va pas te calculer. Bon, les frérots, comme vous l'avez compris, là, je viens de trouver un petit spot. On va le faire monter, je pense, sur le caillou là-bas. Et puis, on va lui faire sauter en mode parachute. Il a un petit flow comme ça en vrai. Allez, let's go. Donc là, les mecs, on va se rendre au lieu de rendez-vous. Et puis, c'est parti, Rémi. On va faire son baptême de l'air. Va. Comment tu sais qu'on va dans la forêt? Il y a des oiseaux autour. Bah on va exactement sur un pont. Nadine, tu dis si tu vois un pont. Attends, j'en vois un. C'est encore loin? Bah oui, un peu, il faut aller rentrer dans la forêt. Wesh. Ah Nadim, on va dans la forêt là. Ok Nadim, demi-tour. Nadim, c'est encore pire de rester tout seul là-bas. Parce que t'es au bord de la forêt. Ça va le faire mec. Nadim, c'est la première fois que tu vas dans une forêt? Oui. Tiens, attention, il y a des branches juste là à côté de toi. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Vas-y, avance, avance, avance. Là, tu vas arriver dans des trucs. Vas-y, là, t'as un truc. Voilà, passe par-dessus. Voilà, vas-y, un pied. Ok, vas-y, avance encore un peu. Vas-y, vas-y, passe le deuxième. Là, vas-y, passe par-dessus. Voilà, nickel, c'est bon. On continue? Allez Rémi, c'est parti. Dans son truc, il y a des branches, il y a des feuilles. Faut que tu viennes sur ta gauche, là. Nadim, indique-le. Lève les pieds, dans un gros bout de bois. Ok, nice. Bon, on est bientôt arrivé, mec, ok. Regarde le pont. Allez, go. Faut monter, Rémi. Rémi, parle moins fort, il y a du monde. Mais il fait quoi? Allez cowboy. Non 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 non. Viens pas là. Oh. J'ai marché dans une grotte. Bah t'as marché dans de la boue frère. On est en train de monter là pour rejoindre l'endroit. On est bientôt arrivé. Bon Rémi, là ce qui va se passer. Écoute, on va t'équiper et après bah vas-y tu verras. Là il faut que tu montes là. Non non dégage. Non mais vraiment. Ouais, j'ai fait ma taille. Ok vas-y. Faut que tu montes. Moi c'est haut. Bah oui c'est haut. Vas-y faut que tu montes. Ok, nice. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, Nadim. On va pas équiper ta race. Attends, Démon, faut que je dise un truc à Rémi. On a signé ton arrêt de mort. Si t'es mort, parce que tu peux mourir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Ça y est, c'est ton moment, Rémi. J'ai un écureuil à cette. Non, mais non, le derrière, tout est protégé, c'est bon. Rémi, allez, maintenant, faut que tu le fasses, mec. Si, si, Rémi. 3, 2, 1, c'est parti. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Rémi, ça a aidé cette sensation forte? On était dans une forêt. Oh, on était là-bas. Allez, vas-y, mec, remets le bandeau, on est reparti. Ok, bon, les refs, Rémi est encore dehors, il faut qu'on lui trouve. Donc, la prochaine chose à faire. Cette fois, c'est moi qui choisis. Il est où là? Il est là-bas. Du bowling. Ça, le bowling, t'es quoi? On va le faire cet après-midi, c'est bon. Ok. Il aura les yeux fermés. Bah, de toute façon, il est nul de base, donc là, ça sera pareil. Toucher des trucs chelous, on va le faire toucher des trucs chelous, c'est bon. On va essayer de trouver plein de trucs bizarres, ok, et on va les faire. C'est bon. Il est où là? On part sur la deuxième truc, on va lui faire toucher plein de trucs bizarres. Là il est au coin là, il est en train de bouder. Bon les mecs, là on a préparé une petite table. Il y a
du boursin. Là, il va y avoir une coquille d'escargot. Ici, on a du gingembre. Nadim, il a mangé des sushis dernièrement. Ouais. Et dans les sushis, là, il y avait du gingembre. Okay, donc, on va prendre ça, une texture un peu bizarre. Là, on a mis. Comment ça s'appelle ça, Nadim? Une pomme de pain. Et ici, on a mis un bout de banane. Je pense que le bout de banane, il va avoir peur. Donc, les gars, on va l'appeler et on va voir s'il devine. Je pense que. Oh, le fromage, on va lui en faire manger dans la vidéo après. Ok. Okay, alors, moi, il faut qu'il goûte à des aliments. Ok. Rémi, tu peux venir, mec, c'est bon. Rémi, t'es prêt, mec? Ah, t'as pris un nouvel équipement? Le bonnet. Parce qu'en fait, ça explique, ça me faisait trop mal aux yeux. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que vraiment on voit pas? Essaye-le. Non, si tu me dis essaye-le, c'est que je te fais confiance. Vas-y, c'est bon. C'est parti, Rémi, allez, viens. On t'a installé des aliments sur une table. Non. Et tu vas essayer de les deviner. Il faut que tu les devines et que tu les touches. On commence avec le premier, vas-y, donne ta main. T'as un flow comme ça en vrai. Hein. Tu es très moche. Vas-y, tu peux toucher, Rémi. Tu l'as. Je suis sûr, il va deviner. Ah, c'est du fromage. Fromage à l'herbe. Boursin, bien joué, mec. Ok, bien joué. Le premier, il a deviné. Ok, il a vas-y. Il y en a 3, 4. Il y en a 3. C'est coquillage. Ok. Il est chaud. Celui-là, il va jamais deviner. Il est chaud. Mets-lui celui-là. Là, je touche là. Ouais. Oui. La pâté de Laïka. Non. Du citron. C'est presque. C'est plus vinaigre. C'est du gingembre, c'est pour ça. Ah, c'est du gingembre. C'est du gingembre. Je sais même pas ce que c'est un gingembre. Attention, celui-là, il va piquer. Faut pas qu'il touche la tête. Hein? Vas-y. Attends. Sur quoi? Vas-y. Il bouge. Après, tête de poisson. Non. Allez, gros. Fais gaffe. Ça pique. Un cactus. Une pomme de pain. Ouais, c'est une pomme de pain. Bien joué, mec. Le dernier. Vas-y. Vas-y, écrase un peu force dessus. Du caca. Non, écrase. Non, casse-toi, frère. C'est de la banane. T'as vu, c'est une grosse raléane. C'est du caca. Mais c'est... En vrai, t'as assuré sur tout sauf sur le dernier. Ça commence à sentir le manger, je commence à avoir faim. Nadim, tu fais le ramadan aujourd'hui? Non, c'est grève, je peux pas le faire. Ah, c'est grève? Quand il y a des grèves, tu peux pas faire le ramadan, toi? Une personne, il a grève dans son école, toute la famille peut manger. Les frérots, on est à bord de la Twitwi. Et là, ce qu'on va faire, c'est que. Donc, il est midi. Rémi, il est là, ok? Il a changé d'équipement, ok? Il a plus le foulard parce que le foulard lui faisait trop mal aux yeux. Maintenant, il a mis le bonnet. Et par contre, elle est où, mon t-shirt Black Panther? En fait, je rentrais. Il y a un gars, il m'a racketté. Du coup, moi, je sors. Ok, bref, on va aller au McDo, ok? Rémi, les aujourd'hui, il ne fait pas le ramadan comme je vous avais dit juste avant. Il a une prise de sang ce matin. Dès qu'il mange un truc, il vomit directement. Ok, mais on va quand même aller au McDo. Nadim, aujourd'hui, toi non plus, tu manges pas, tu fais le ramadan. Nadim, la grève, ma maîtresse, elle fait grève. C'est vrai. Ok, moi je mange pas. Rémi, tu vas aller quand même manger un petit bout. Donc, tu vas aller prendre ta commande, bien évidemment, les yeux. Mais du coup, attends, il y a un problème bandé. Là. Attends, si je prends pas de poisson, faut déjà que tu arrives à te rendre dans les burgers. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je veux dire en fait. Ça me gueule. Voilà, Nadim, on va calmer quand même. Ok, parce qu'il faut pas que tu prennes plus de poids, on avait dit au début. Hein ouais, mange lui. Il tape tout ce qui bouge. Bref, les refs, on va aller au McDo et ensuite on va enchaîner. Enfin, on va continuer la petite journée 24h yeux bandés. Rémi, pour l'instant, ça se passe bien? Je suis bien. Ok, parfait, c'est parti. On prend la voiture, let's go, les refs. Je pensais pas venir dans ce lieu, les mecs, en pleine période du ramadan. Mais on y est. Salade, petite salade. Non. Salade healthy, mec. Petite salade healthy, non, mec. Ça va faire plaisir, ça va être bien beau. Petit tapis mille pour Nadim. Nadim, petit McFish, vas-y. Vas-y, choisis. Tu prends ta sauce et c'est parti. Ça, c'est quoi? Là, il faut que tu choisisses ta boisson. C'est Nadim, ça fait 40 fois qu'on mange là. C'est écrit fraise, citron vert, nature. Et ton dessert? Oh, Rémi! De quoi? C'est écrit Rémi. Non, c'est Rémi. Rémi plus tard. Jouer à un livre, jouer. Vas-y, Rémi, choisis. Nope. T'as rien choisi. Nope. T'as rien choisi. Nope. T'as choisi. Ok, vas-y. Ok. Wesh, arrête, sale chien. Ok. Nope. T'as pas choisi. Vas-y. Ok, c'est bon. C'est bon, prends ça, c'est bon, c'est ok. Tu découvriras ça à la fin, mec. Vas-y. Bon, les frérots, évidemment, on va pas que manger McDo. Sinon, ça serait bien trop facile. Dans les commentaires, vous avez été beaucoup à me dire prends du fromage. J'ai pris plein de sélections de fromage. En même temps que manger le McDo, on va manger du fromage, les mecs. On vient de recevoir nos commandes. Ok, c'est carré. Rémi, ta commande, elle est en face de toi, mec. Nadim, t'as ton petit tapis 1000. Ok, c'est carré. Happy 2000. Non. Ok, Nadim, vas-y, régale-toi, mec. Rémi, t'as pris une petite salade. Avec ça, t'as pris, par chance, t'as tapé un petit poisson McFirst. Vraiment, t'as pris au hasard, c'est toi qui as sélectionné. Avec ça, un petit pot de yaourt. T'as une sauce vinaigrette à l'huile de noisette, mais ça tu vas jamais la manger sinon tu vas vomir. Et t'as des petites pommes. En vrai, petit repas équilibré, Rémi. Attends, donne-moi les sauces mayonnaise, je les mets dedans. Sauce mayonnaise? Ouais. Tiens, prends la sauce mayonnaise. Non mais casse-toi. Mais si, ça, c'est la mayonnaise, frère. Mais non. Mais si, vraiment. Ouais, allez, wow. Je suis dedans là ou pas? Ouais, mais frère, mais tu sais que c'est la sauce pour les frites, ça. Je m'en fous. Ça va être dégueulasse ta salade. Vas-y, bah bon appétit, mec. En plus, vous êtes des sacrés chiens. Moi, je suis là, je pète la dalle. Aucune pitié, bande de chiens. Cette salade là. Ah non, mais attends, je t'explique pourquoi je prends une salade. T'as pas fait exprès. Là, c'est le régime. Ouais, vas-y.
Nadim, je peux pas manger, arrête de me donner des frites toi. Bon, Rémi il est encore en train de manger sa salade, ça fait 45 minutes il est dessus. Ça va, tu t'en sors mec? Ouais. Ok, carré. Oh, t'as pris quoi Nadim toi? Un McLefish. Oh, McLefish pour Nadim. McLefish, carré, carré. Un nouveau hamburger? Non, c'est pas un nouveau Nadim. Rémi, fini de manger, on va enchaîner directement là. On est au McDo, on va enchaîner directement. Ok mec, tu fais quoi toi? Mais en fait là, je sais pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas, je mangeais ma salade normalement. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue de faire ça. Ah, tu crois que t'es en train de manger des pâtes, je crois. Bon, les frérots, vous l'avez compris. Ok, je viens de mettre quelque chose sur un plateau. Je vais vous mettre le nom à chaque fois ici. Ici, ici et ici, ok. C'est un gage de Sofiane, ok. Donc si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à lui. On va passer à une dégustation, Rémi, ok. Tu te bouches le nez à chaque fois. Non. Tu te bouches le nez et tu manges. Allez, vas-y, Rémi. Il y a un burger? Ouais. Ça, j'aime bien, ça me dérange pas. Ok, le premier, il est là. Gros chien, gros chien. Vas-y, c'est que des trucs comestibles, c'est que des trucs comestibles. Voilà, garde-toi un truc pour boire. J'espère que tu m'as pas mis du fromage fort. Non, il n'y a pas de fromage fort. 1, 2, 3. Mange. En vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Rémi, il est bon, en vrai, il est bon, tu vois. Non, ça passe pas? Mec, il fallait prendre du pain. Ok, vas-y, crash. C'est quoi, wesh? C'est de la mozzarella? T'as pas la mozzarella? Ok, c'est pas grave. On passe au suivant. Non, ça va, c'était lui le pire. Et un burger, c'est vrai? Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Let's go. Vas-y, le deuxième, tiens, donne ta main. Vas-y. Ça va, Rémi. C'est du fromage. Non, c'est pas du fromage. T'as un bout de glace? Ah ouais? Ouais. Bah c'est une nouvelle glace au McDo. Ça va. On passe au suivant, c'est parti, celui-ci. Au dernier, comment tu vas te mettre bien avec l'hamburger, le dernier? Ça va celui-là. C'est quoi? Et mental, ça va, petit bout d'émental. On passe au dernier. Burger? Ouais. Ouais, c'est ça. Hop, là tu te bouches le nez. Oh, c'est ton burger, j'adore. Vas-y, 1, 2, 3, envoie. Ce fromage, je l'adore. Non, c'est pas possible. C'est bon, tu peux te déboucher le nez. Wesh, on dirait ça brûle. Mais attends, démo. Rémi. Je suis là. Ouais, c'était un bout de minster. Mais je l'adore. Vomis pas, Rémi. Mec, je l'adore. C'est le pire fromage qui existe. Prends un petit bout, croque un petit bout. Ah mais toi t'as la bouche pourrie aussi, c'est pour ça t'aimes. Rémi ça va pas, mais Rémi va pas bien. Il mange des glaçons. Bon les gars, il faut savoir que Rémi déteste les fromages. T'as mangé le boursin, les mentales, fier de toi, la mozzarella non, le minster. Sache que ce fromage là, le minster, c'est l'un des fromages qui pue le plus. Tu la dégommes, t'es un roi. Si tu veux insulter quelqu'un, c'est Sofiane mec. Moi je ferai rien, parce que moi je crois à la justice. Tu peux remettre le bonnet mec, c'est reparti pour le 24h. Tu peux souffrir dans le noir, finis ça mec, et on pourra partir. Bon les mecs, là on vient de rentrer, ok, ils ont bien mangé tout ça, maintenant on va faire un peu d'exercice. Pour ça, Rémi, j'ai envie de tester un peu tes réflexes, ok. Nadim il a des balles de tennis, il va falloir que soit tu les attrapes, soit tu les esquives, fais ce que tu veux. Esquive-les peut-être, c'est bien, c'est bon. C'est parti, écoute, là il y a 10 balles, j'ai un truc à te proposer. Nous avons 10 balles ici. Si je touche, j'ai 5 euros. Non, pas du tout, il est 15h Rémi, t'as compris? Ouais. Ok. L'heure du tour c'est à 20h20, quelque chose comme ça. Chaque balle, on va dire que c'est 30 minutes, t'as compris? Chaque balle que t'arrives à esquiver c'est 30 minutes en moins. Parce que la vidéo va se terminer à 20h20, t'as capté? Si tu esquives une balle, 30 minutes en moins pour les défis 24h avec les yeux bandés, t'as compris? Okay. Si t'esquives toutes les balles, la vidéo se termine maintenant. Nadim, on va faire une balle sur deux parce que toi t'es un peu éclaté. Toi t'en lances une, moi j'en lance une. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle. Belle technique Rémi pour esquiver. Belle technique d'esquive. Ok, t'as déjà esquivé une balle, ça fait moins 30 minutes. Ok, moins 1h. Oh non. Ok, moins 1h30. Nadim, calme-toi. Déjà moins 1h30 frère, c'est une dinguerie déjà, ok? On se calme. J'y vais. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Mais tu sais quoi? Mais attends, mais lance pas. Il va se fatiguer et vas-y. Loca stadida. Approchez messieurs dames, c'est gratuit. Vous imaginez les gars que là il y a un gars qui fait ça dans ma cour genre. Ça arrête de faire des feintes, il te voit pas. Hein. Laisse-le, je pense au bout de 30 minutes ça devrait le faire. Bien joué Nadim. Ça touche. Bien. Moins 1h30. C'est qu'il n'y a aucune balle de lancer Rémi pour l'instant. En vrai là tu penses que t'es imprévisible genre. Allez hop, ça touche. Moins 1h30 toujours pour l'instant. Nadim t'es éclaté, moins 2h. Toi t'arrêtes de viser, toi tu touches pas toi. Moins 2h pour Rémi pour l'instant. On n'en loupe plus aucune, ok. Ok la jambe. Bien joué Nadim. T'es mal, même le chat il est choqué. Faut pas qu'on les loupe Nadim. Oh, elle a pas touché, moins 2h30 Nadim. Bien joué Nadim. Let's go. C'est bon, terminé. T'en as esquivé pas mal en vrai. 2h30, t'en as esquivé 5. Et les autres 5, on les a touchés. Bon, exactement. Donc Rémi, ça se termine à...
17h30 exactement. Eh ben on va en profiter pour faire un maximum de séquences. On va sortir le téléphone et c'est parti mec. Si je peux voir. Non. Qu'est-ce que t'en penses mec de celui-ci? Ouais bah ouais mais là il est, mais là il... Eh ben c'est parti pour celui-là. Donc Rémi, on va aller faire du vélo. Ok, petite balade à vélo, les yeux bandés évidemment. Bah j'espère qu'on rentrera vivant. Bon les frérots, finalement changement de programme. Je trouvais que c'était un peu trop facile, donc Rémi les mecs, yeux bandés plus petit roller. Ça fait plaisir ou pas Rémi? Donc c'est parti, moi je vais rester à pied. Rémi c'est parti, yeux bandés, on va direction sur ta gauche. Il faut lui indiquer Nadim. Une journée sans écran. Attends. En vrai t'auras respecté ça. Il y aura zéro chute hein. Après la petite balade en roller, c'est qu'on allait se faire un petit bowling. Le frérot qui nous avait dit de faire un petit bowling. Dès qu'on termine la petite balade en roller, on va se faire un petit bowling, t'es chaud? Allez vas-y, on termine la petite balade en roller et c'est parti. Slide mec, j'avais les lunettes, ok. Lui il est sur le vélo et toi sur le roller hein. Bon les refs, moi je fais une petite pause là tranquille. Nadim il est là. Rémi on l'a laissé un peu là-bas faire un peu de roller. Bon les gens qui passent à côté vont se demander c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, on va le laisser kiffer un peu. Est-ce que t'es prêt pour le bowling mec? On va mettre un gage à la fin. Et je pense que Nadim, vu qu'on a perdu pas mal d'heures, je pense que le bowling ça sera la dernière truc qu'on va faire. C'est peut-être la seule fois que tu pourras gagner au bowling. Rémi, retour à la maison en roller s'il te plaît. Puis après on est parti. Oh il y avait un caillou devant toi. Oh il fait mon vélo. Où pété? Il est bloqué. Mais non, il y a le frein qui est bloqué. Attends, il marche. C'est bon? Oui. Nadif, t'as cassé son vélo. Ah, tu sais que tu tombes plus que lui là, frère. Mon vélo, il est bloqué aussi. Allez, avance, gros. Vas-y, je te pousse parce que là, frère, okay, c'est okay, bon. Attends, attends, je vais. Mais là, dans 8 ans. Bon, les mecs, c'est bon. On commence à avancer un peu. Bon, c'est Nadim du coup qui est à la traîne. Bon. Eh hey, vas-y frère, j'en ai marre moi. Je vais les attendre à la voiture et on va directement au bowling parce que là en plus il va faire tard. Et on va arriver, il va y avoir du monde. On n'aura même pas de piste ça se trouve. Et puis l'autre, son défi sera fini. Donc allez go là. Puis l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il... Ah ouais c'est vrai son vélo lui. Je t'en sors mec. Vous êtes que des gros chiens. Pourquoi? Je suis pas aidé. Plus de problèmes. Quoi? Plus de problèmes que lui là. Lui il peut avancer tout seul et moi j'ai ça à porter. Putain t'as des gros muscles. C'est bon, on est arrivé les mecs. L'entrée elle est là, Rémi il est là. Et Nadim bah il boude là-bas avec son vélo. Il y aura zéro chute hein. Bon et bah c'est parti les frérots. Donc là on va se rendre directement au bowling. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Et la prochaine les gars ça va être une masterclass. Restez à l'affût les frérots. Les gars, Rémi entre temps il a aussi changé de pantalon. Parce que vas-y le jogging du daron était un peu trop sale. Claquettes. Il était un peu trop sale. Les claquettes sont toujours là, ça bouge pas. Il a enlevé aussi quand même ma tenue Black Panther. C'est un mec que j'ai pas trop apprécié. Mais t'as gardé les claquettes, ça fait plaisir. C'est parti, go bowling. Ça y est c'est parti, le bowling est juste en face là-bas. Il y a quoi là-bas? Nadim, ça te rappelle pas des souvenirs ça? Une des premières vidéos les refs que vous aviez kiffé IRL c'était au bowling. Et là on se retrouve ici un ou deux ans plus tard, ça fait plaisir. Rémi, toujours belle dégaine. Ouais. Par contre si tu perds et que Rémi a les yeux bandés, la honte pour toi. Les refs, on va faire un gage parce que là on a plus d'idées en gage, ok? Donc comme d'habitude on va refaire la meilleure des manières. Là dans les commentaires de cette vidéo là, ok, vous allez mettre un gage et celui qui sera le plus liké, on le fera pendant le ramadan. Bon les mecs, ça y est, il faut qu'on choisisse la paire de chaussures. Bien évidemment Rémi il a le bonnet. Ça veut dire il va prendre une pointure au hasard. C'est parti Rémi. Tu mets du combien? 40. Attends t'as pris quoi? Ouais c'est bon. T'as eu la bonne direct. Ok. Il t'a appelé Nazi. Nazim. C'est Nadim. Nadim c'est toi qui... Rémi a des chaussures de Krusty le clown. Ouais. Mec bonne chance Rémi. Nadim tu peux y aller. Rémi. Tu peux regarder Nadim jouer. Ouais tu peux regarder Nadim jouer. Tu peux. Allez c'est parti Nadim. Je compte sur vous. Mettez dans les commentaires gage et vous likez et vous choisissez. Nadim, ça commence bien. Bien joué, check, mec. Mais elle est trop lourde. Bien joué. Nadim, deuxième chance. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Ah, Nadim. Oui, je connais, ah, t'es pas sur un terrain de foot. C'est à Rémi de jouer, c'est parti. Rémi, c'est parti. C'était bien. Rémi, let's go, baby. Allez. Tu peux le faire. Il s'est trompé de piste, il a lancé sur la piste à côté. T'as bien lancé. Bah Rémi, c'était bien, tu refais la même. Là, je suis où là? Je regarde vers où? Attention. Arrête. Notre piste, elle est là. T'as lancé sur la piste à côté et après sur la deuxième piste à côté. Concentre-toi, tu lances là. Avance un peu. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. C'est bien. Carré. C'était bien. T'en as touché 7. 7? 7, c'est bon. Là, je suis premier là. Là, t'es premier. Faut toucher. Ok, faut que tu touches. 1. Nadim, t'es sur la piste là. Recule. 1, 2, 3. Yes, bien joué. C'est bon. Rémi, il en a pas touché, c'est bien joué. Oui, Nadim. C'est bien.
C'est parti Rémi. Nice. T'en as touché 6. Oh frère, ça fait 40 minutes là. C'est toi qui es en tête. Nadim, tu vas essayer avec la boule numéro 13. Elle fait son poids. 1, 2, 3. Vas-y Nadim, tu peux y arriver. Oh. Cassé la piste. Oh. Ah dommage, dommage, dommage. Non mais dommage, c'était bien joué Nadim. Rémi, pour l'instant, t'es encore dans la course. Ouais Rémi. Sans bonnet, une sans bonnet, vas-y. Ouais, bah remets le bonnet, gros. Doucement, doucement, cours pas. Wesh, Nadim, rentre sur la piste la prochaine fois. Ok. Non, mais t'as dit ok. Nadim, c'est parti. Wesh, mais Nadim, faut pas aller sur la piste. Ok. Rémi, même avec ça, t'as réussi à le mettre dedans, frère. Yes, Nadim. Yes, Nadim. Mais, ah, mais tu crois que t'es un sniper, toi? Oh. Score final. Nadim, 52, moi, 96. Rémi, 19. Bon, bah, les refs, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires. Vous mettez des gages. Celui qui est le plus liké. Monsieur Rémi, le petit halouf, le fera. Terminé le petit bowling. On sort. Il est 17h20, je crois, un truc comme ça. Ça t'a fait du bien d'arrêter un peu les écrans. Nadim, c'est quoi qui sort de ta chaussure, là? Attends. Nadim, t'as gardé les protections. T'as gardé les protections du bowling. On va les ramener à la maison. Mais t'es un gogol, il faut les enlever. Non, il a fait exprès. Mais non. Il va les garder. Ah, ça protège tes chaussettes. Non, c'est pour l'hygiène et en même temps, tu pouvais les avoir gratuitement. Ah, ok. Bon, ok. Bon, et bah les refs, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Premier vlog de la série Ramadan. Ça y est, ça va être parti, les refs. J'espère que vous avez kiffé. Ça va être Bagdad là. Ça y est, c'est parti. Cassez-moi les pouces bleus, les refs. Si vous êtes super chaud pour la suite, vous vous abonnez, c'est pas encore fait. Les 300k. Nadim, qu'est-ce que t'avais à dire? Si, il a. Ok, merci Nadim. Si, s'il a plus de 5000. Ok, ça marche. Attends. Bon, les refs, j'étais sur le point d'aller dormir et la daronne, elle m'a dit: va voir Nadim comment il dort. J'ai peur. On va aller voir. Je sais pas quelle dinguerie il a fait encore. On va aller voir, ce sera la fin de la vidéo. On clôture la vidéo là-dessus. Parce qu'il a sûrement fait une dinguerie. Thank you.